bon Yesu, bien-aimé, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Il est Dieu. Yahweh, ton tomboliyo. Ton tomboli kombonayo Yesu Masia. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Règne à jamais éternel. Règne Jésus-Christ de Nazareth. Yesu na ye ko tombolayo na tombola lelo. Oh, ton nom Jésus m'a donné la vie. Ton nom Jésus m'a donné la vie. Ton nom Jésus m'a donné la vie. Yahweh na tomboli kombonayo mon Dieu mon roi. Yahweh akoki koto mola. Jésus, merci. Jésus, merci.
na lokumu Yesu masia to tomboli olikolo na nyonso mo kontina bomoi tikeke kit na bo kontina yo Yesu tomba mana tombo na lelo tikeke kit na bo kontina yo Yesu tomba makata te sika o tikeke kit na bo kontina yo Yesu Yesu a place katika na bomoi na biso to lobie to samo konti Yesu masia yo bongwa na kate libe na libelo zanzambe pe kotika la nzambe na bomoi na ngo zanzambe Nous allons chanter le chant numéro 2. Nous allons chanter le chant numéro 2. Alléluia. Tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu.
consolateur. Le grand consolateur, c'est toi. Restons debout, nous allons accueillir l'orateur du jour, c'est le révérend Blaise Nkwalou. Pendant qu'il avance, nous allons acclamer très fort pour le roi de rois, le révérend Blaise Nkwalou est pasteur de notre communauté, il est pasteur à l'église locale SEPCO Massina 2. Vous avez la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Mbote Nabiso. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire quelques deux passages. Le premier passage, je le tire de l'Ancien Testament. Dans le livre des Sophonies, Sophonies, chapitre 3, le verset 9. Sophonies, chapitre 3, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors, je donnerai au peuple de l'œuvre pure afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel pour les servir d'un commun accord. Le deuxième passage est tiré du psaume. C'est le texte qui m'a été donné. Psaume chapitre 67, psaume 67, je vais lire le quatrième verset et puis le septième verset. Le peuple, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car
Tu le juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Verset 7 dit, Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre craignent Dieu. Amen. Pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui m'a accordé cette occasion de venir partager sa parole ce matin en ce lieu. Je bénis également les collèges de pasteurs, entre autres mon mentor. Vous êtes mon mentor. Je l'avais remplacé quand il fut encore pasteur, stagiaire à Selembao. Après lui, c'était moi. Et quand j'étais à l'église locale Sepko Makalade, souvent, il me coachait. Et je suis votre élève quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte qui m'a été donné, c'est celui que nous venons de lire, des psaumes 67. Et le thème qui m'a été donné, c'était l'adoration comme fruit de mes lèvres. Loyembo toko guma melanzambe yangonde mbanoto e yano o ezaliko uta la monte mananga. L'adoration comme expression de mon cœur. Mais quand j'ai préparé le message, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose que je vais devoir partager avec vous ce matin. Il me dira à l'église locale Sebco francophone, ils ont eu à suivre plusieurs orateurs. Ils sont suffisamment équipés. Mais moi, Dieu, je suis multisystème. J'ai toujours à ajouter sur ce que les orateurs n'ont pas dit. Alléluia. Alléluia. J'étais devant ma Bible. J'étais en train de lire. Et le Saint-Esprit m'a soufflé. Blaise, regarde à côté. Je regardais à côté. Il me dira, tu vois quelque chose? Je dis, oui, je suis en train de regarder. Je vois tout ce qui est dans ma maison. Le Saint-Esprit me dit, non, regarde bien sur la table. Qu'est-ce qu'il y a à la table? Je dis, j'ai vu quelque chose. Il me dit, quoi? Je dis, j'ai vu ces détergents. Vous connaissez cette histoire? Est-ce que vous voyez bien l'okoyo? Et ça sabouni. Je dis, mais Seigneur, on m'a demandé de prêcher sur l'adoration, mais vous me montrez ces détergents. Quel est le lien qui existe entre ces détergents et l'adoration? Et le Saint-Esprit me dira, va lire. Prends ta Bible, commence à lire. Tu verras que cette histoire, c'est de cette histoire que sortira le thème de ce matin. Vous allez comprendre avec moi. Apparemment, c'est bizarre. Alléluia. Alléluia. Mais si vous voulez marcher avec notre Dieu, il faut devenir fou. Et c'est ça la foi. Alléluia. Mais il dit, c'est le détergent. Je dis, oui, c'est le détergent. Il dit, c'est de ces détergents que sortira le thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est Homo. Je ne fais pas la publicité de ce savon, mais c'est ce que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Alléluia. L'adoration. Vous avez beaucoup suivi des intervenants, des interventions qui vous ont parlé sur l'adoration. L'adoration, c'est notre première responsabilité. Nous sommes créés pour adorer le Seigneur. Nous sommes créés pour élever le Seigneur. Mais qui peut adorer le Seigneur? Psaume nous dit, c'est celui qui a des lèvres pures. Alléluia. Alléluia. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Adorer, c'est rendre hommage à Dieu. Adorer Dieu, c'est l'élever. Adorer Dieu, c'est dire, il n'y a que toi, Dieu. C'est ce que nous devons faire ce matin. Mais le Seigneur m'a dit, il faut leur dire, faites attention aux mots. Loba la moninga na yo, aux mots. Oh, tata pasteur a outi masina, aux mots, il s'allit les sousounines. Il me dit, non, regarde dans la Bible. J'ai pris ma Bible, comme je vous invite aussi à prendre votre Bible. Vous verrez que cette histoire existe dans la Bible. Lévitique chapitre 8. Ana yapi razoloba omeleki nanga linga sanin. Soko zotambula na nzambe
Il faut être comment? Fou. Il me dit, regarde le chapitre 8, au verset 22-23 de Lévitique. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur. Il fit approcher l'autre bélier, les béliers de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea les béliers, prit son sang, et mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied. Alléluia! Alléluia! Pour adorer Dieu, pour que notre adoration soit agréable devant le Seigneur, nous avons besoin de deux choses. La purification et la consécration. Nous avons besoin de deux choses. La purification et la consécration. Alors le Seigneur m'amène ici sur ce texte pour nous dire, pour adorer le Seigneur, nous devons être consacrés. Vous allez me dire, mais la consécration c'est pour le pasteur. Non, il a fait de nous tous royaume des sacrificateurs. Ces jours-là, quand Christ criait sous la croix de Golgotha, la Bible me dit, les rideaux s'étaient déchirés et il a fait de tout le monde sacrificateur. Donc vous êtes sacrificateur, je le suis moi aussi. Et nous avons besoin d'être consacrés à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire dans ce passage? Dans l'Ancien Testament, on consacrait le serviteur de Dieu, le sacrificateur, pour être au service du temple. Et qu'est-ce qu'on faisait? On égorgeait un bélier. Le sacrificateur prenait du sang. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu mal à moi? Comme il boule ça, m'pouete, le yembo, le sambo nabisson, et bouta et pa inanzambe, pouete le sambo nabisson, et simba mote mananzambe, pouete le sambo nabisson, et ningi sa kiti nabo konzi nanzambe, loba amen. Mais Sengeli komi bouli sa. Alors on égorgeait les béliers, on prenait du sang, on mettait dans une corne. Et celui qui était chargé de faire cela, c'est le principal sacrificateur. Il appelle les concernés. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prend un peu du sang. Il le met ici sur le lobe de celui qui sera consacré. Est-ce que vous me suivez? Il dit, prenez le sang selon la recommandation de l'Éternel. Il faut mettre du sang sur le lobe de l'oreille droite de celui qui sera consacré comme prêtre, comme sacrificateur. C'est là où le Seigneur a tiré ce thème pour vous ce matin. Zwa makila, yamwana nampate, oyo ba egorje, makila wana bati yango, na liseke ya nyama, mpiba kopakola yango, na litoyi ya moto oyo, balingi ko bulisa, me litoyi ya gauche, litoyi ya droite. Est-ce que vous l'avez malamo? Alléluia. On met du sang ici. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Oreille et droit. Mettez du sang ici. Deuxième étape. Vous prenez ce sang-là. Vous mettez sur la main. La main droite. Et sur le pouce ici. Namusapia munene. Ozumakila. Batye yango awa. Pona mutu oyakobuli sama. Alléluia. Alléluia. Troisième étape, on prendra ce sang-là, ce sang du bélier égorgé, et on mettra sur l'orteil droit, du pied droit de la personne qui sera consacrée. C'est ce qui me donne au mot. Oreille, la main et orteil. Alléluia. Alléluia. Mais je dis, c'est le détergent. C'est la purification. Alléluia. Pourquoi on mettait alors du sang sur l'oreille droite de celui qui est considéré sacré, consacré? C'est parce que si vous voulez servir le Seigneur, adorer le Seigneur, votre oreille ne peut pas écouter n'importe quoi. Votre oreille sera destinée seulement à écouter les oracles du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté?
Je suis consacré pour écouter le Seigneur. Bien-aimé, qu'as-tu écouté? Parce que dans la Bible, quand je fuis, la Bible dit toujours, écoute Israël. Matoi yamuta bulisami et yoka ka n'importe quoi te. Symbole yango ana, parce que tcha matoi, makila na litoi à droite. C'est pour dire, cette fois-ci, tu seras attentif aux oracles du Seigneur. Yonde mutubando yoka. Bien-aimés, nos familles sont détruites cette fois-ci. Nos familles sont en désordre parce que le sacrificateur que vous êtes parents, parce que le sacrificateur que vous êtes pasteur, vous n'écoutez pas. Nous ne sommes plus attentifs à la voix du Seigneur. Dites amen. Alléluia. Nous voulons adorer le Seigneur. C'est bien. Nous voulons chanter pour le Seigneur. C'est bien. Nous voulons prier pour élever Dieu. C'est bien. Mais qu'est-ce que mes oreilles écoutent? Hier soir, je suis frère, adorateur, j'étais dans une fête. Qu'est-ce que mes oreilles ont écouté? Qu'est-ce que j'ai entendu dire hier soir? Est-ce que j'ai écouté la politique? Est-ce que j'ai écouté Fali Poupa? Est-ce que j'ai écouté? Mes oreilles doivent être sanctifiées pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Surtout notre génération, moi j'appelle ça génération Y. Toujours le casque. Ozo yoka nini. Soki na meki ko sonne moko awa boko yoka. Na zuki ka telephone pesa nga numero na yo nga na bipé. Boko yoka. Biso bato butiko ko kanga misu na biso. L'adoration ce n'est pas les yeux que nous fermons là. L'adoration c'est l'expression qui sort du cœur. C'est la disposition, c'est ce qui sort de moi parce que Romains me dit dans chapitre 14 verset 23. Tout ce que je fais sans conviction et péché. Si je viens prier, mais je n'ai pas la conviction de ce que je suis en train de faire, ça s'appelle péché. Si j'adore et que le Seigneur, je ne connais pas ce Seigneur-là, je ne connais pas le Dieu que j'adore, ça s'appelle péché. Il faut la conviction. Alléluia. Alléluia. Yango bazai ko tia makila na litoy. Mama ozoyo kanini mikoloy. Ne crains rien, même si ça brûle, nous avons un Dieu. Le Saint-Esprit est là. Moi, je suis ligueur. À la ligue, on nous apprenait. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus d'être. Je ne crains rien, même si ça brûle. La main consolée, je m'en chante. Oh non, jamais, non, jamais. Tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gardes, je ne... Avec Jésus, bisika oyo papa nanga komate, nga na okoma. Avec Jésus, oyo mama nanga asalate, nga na osala. Avec Jésus, même si l'économie est en assez, biso to vivre. Alléluia! Ne crains rien. Sois seulement souple. Litoy na yo, et yo kakate n'importe quoi. Bien aimé, bon moi na yo, et sa batoua na yo, zo pesa litoy te. Bon moi na yo, résulte na yo, et zali makambo bazo proposer yo te. Mais bon moi na yo, dépend de celui qui t'a créé. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Oublie tout ce qui t'agace. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Ce matin, après la prédication, chacun va dire, Seigneur, oh, lito inanga, ezala pona yo. Oh, Yesu, na yo kakabobele yo. Yaya moi si, kopesa lito ina garçon wanate, tango lo bakana yo, je t'aime, oh, sans toi, oh, je t'aime. Lokuta, azala mibali moussous, azala ba engagement moussous. Le vrai ami qui n'abandonne pas, il s'appelle Jésus. Yo kakandeye. Alléluia.
au Seigneur Jésus. Deuxième chose, quand on mettait du sang sous la main, c'était pour dire, le sacrificateur ne peut pas toucher n'importe quoi. Tout ce qui est impureté, le sacrificateur ne peut pas toucher. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes venus adorer le Seigneur, vous êtes venus prier le Seigneur, mais qu'est-ce que nos mains touchent chaque lundi, chaque mardi? Est-ce qu'il y a des médecins ici? Médecins, ces mains-là, le Seigneur vous en avait donné pour tenir les bistouris, pour tenir les bistouris, mais le main qui répand. Je ne te condamne pas, mais tes mains a déjà répandu du sang. Tu n'es pas digne d'adorer le Seigneur. Maître avocat, tu es là pour dire la loi. Tes mains ont touché des dossiers justes. Vous devez rendre la justice équitable. Mais à cause de l'argent, Maboko Nayo, et Simba Kimbongo, Lopango Yabatu, et Kenda, et tu es venu adorer le Seigneur ici. Tu n'es pas digne. Maman, Oteka Kamafuta, Maboko Nayo, et Simba Kalinzanza Mafuta, Nase Ofi, Nayangoboye. Tu n'es pas juste. Ce pays n'avancera pas. Soki Yonanga, tous ajustés. Alléluia. Alléluia. Administrateur, administrateur, au fond de la dossier à Batou, au soit qu'un dossier, mais au fond de la Yango. Bien-aimé, sache qu'il y a un ange. Hein? Vous savez, les jours de la résurrection, il y a un ange qui a fait une démonstration. L'ange est venu. L'ange est venu. La Bible nous dit, la terre a tremblé. Parce que les femmes se disaient, mais nana rolongo la biso libanga oyo. Mais il y avait un ange qui faisait des démonstrations. Libanga est longue. A Woutina Lola, a Kiti. A cédé, à Fandeliango. Yesu Abimi. Dossier wana, Fandela wana. Et ça, moi, je m'en vais. Ce qui a quitté, à Tindikiyo. Je m'en vais à Fandi. Dossier wana, Robima. Parce que nous avons un Dieu de miracles. Alléluia. Oh, nous allons dire comme David, Seigneur, Maboko Nanga, Esimba Bobele, Makambo Oya Malam. Alléluia. Maboko Nanga, et ça, là, geste, Bobele, Yamalam. Quelqu'un peut lire? Parce que. Psaume, chapitre 24. Psaume, chapitre 24. Versets 3 et 4. Psaume, chapitre 24. Psaume, chapitre 24. Versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ah! C'est celui qui a les mains hein, innocentes et le cœur pur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais qui s'élèvera pour dire Seigneur, Osamalamo, Yosamalamo, Yosamalamo. Qui s'élèvera pour dire ça? Qui se mettra ici pour dire Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, tu mérites l'adoration, la louange, tu mérites d'être exalté. Qui? C'est celui qui a les mains pures. Les mains. Jeune garçon, quel geste as-tu fait hier soir? Hier soir, tu étais à côté d'une jeune fille, et pas inabango, yobo yebanate, mais hier tes mains là qui touchent aujourd'hui la parole du Seigneur. Et Simba qui dit, chérie, je t'aime. Tes mains, qu'est-ce que tes mains touchent? Qu'est-ce que tu as l'habitude de toucher? C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on disait, c'est lui qui s'est fait, c'est lui qui veut être sacrificateur, c'est lui qui veut être adorateur, doit sanctifier ses oreilles, ses mains. Mais aussi, troisième chose, le pied. Alléluia. Alléluia. Michée, chapitre 6. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai un problème de vision. Aidez-moi. Michée chapitre 6, verset 8. L'adoration comme fruit de mes lèvres. Mais ce n'est pas n'importe quelle adoration.
C'est l'adoration qui se fait dans la sanctification, dans la consécration. Michée chapitre 6, verset 8. Mokana namika, mokabola motoba, nzela na mwambi. Alléluia. Amen. Amen. C'est que tu pratiques. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Et que dans tu notre... marches humblement avec ton Dieu. Ah, alléluia. Alléluia. On t'a appris, toi, mon frère, ma soeur. Tu as suivi des intervenants. C'est pourquoi je dis le Seigneur m'a enseigné et je voulais partager cette expérience avec vous. Oumou, oreille, mes mains et mes pieds. Un homme consacré, un adorateur, n'est même pas ses pieds n'importe où. C'est pourquoi je vous ai fait chanter. Ne crains rien. Si tu marches, marche dans la vérité. Si tu marches, marche dans l'honnêteté. Si tu marches, marche, marche comme un saint. Nous, nous sommes des saints. Dieu voudrait que nous puissions marcher comme des saints. Parce que dans 1 Jean 4, 17, il est dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Dieu ne triche pas, je ne triche pas. Dieu n'est pas égoïste, je ne serai pas égoïste. Dieu n'est pas impudique, je ne serai pas impudique. Parce que je me tiens toujours devant son trône pour l'adorer. Marchons dans la crainte du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que aujourd'hui, même dans nos églises, même nous, le pasteur, il y a des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Ça, je vous l'ai dit. Il y a des pasteurs qui amènent des choses qui ne sont pas bibliques à l'église, même dans notre église. Mais c'est ce que vous aimez souvent. Nous ne sommes pas protestants parce que nous étions des rebelles. Nous sommes protestants parce que nous défendons la vérité. Ezamo sous l'école les ana 4 l'école monsieur Zalibanda azoye mbela Yesu même a colonna yé ke na côté mosus. C'est pourquoi tala malam tala na lisu ya molim litoy ezana partie ya l'école lobok ezana tron makolo ezana partie ya c'est pas bien au membre inférieur. En d'autres termes, Dieu voudrait nous dire qui veut adorer le Seigneur doit être sanctifié dans l'intégralité. Au mon. Parce que ça vous en a katiawa. Et si les sarambindo. Ouyou makila bazaï kochana litoui. Makila ya bélier. Mais nous, nous avons la grâce d'être lavés par le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang de Jésus. Oh Jésus. Nous, nous avons cette grâce-là. Moi, je n'étais pas consacré par ce sang-là, le sang du bélier. Mais moi, j'étais consacré par le sang de l'agneau. Oh, quand il criait, Père, je remets mon âme entre tes mains. C'est ce jour-là qu'il a dit, Blaise, je t'ai choisi pour mon œuvre. Alléluia. Alléluia. Nani Mokondi. Tu es digne, Seigneur Jésus, à jamais d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne d'être. Purifie mes lèvres, Seigneur, ce matin. Consacre mon oreille. Consacre mes mains. Consacre mes pieds. C'est la prière que nous allons faire ce matin. Oublie tout ce qui te dérange. Dis, Seigneur, je suis venu t'adorer. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand nous adorons le Seigneur. Notre louange monte vers le Seigneur et lui descend. Il y a des choses qui se font. Mais nous avons dit qu'il y a une place où il y a Batubaza sanctifié. Ma toi na biso eza sanctifié. Ma boko na biso eza sanctifié. Ma kolo na biso eza sanctifié. Tika bitambola tambola lelo awa lobi awa. Quand vous chantiez ici, je me suis dit, Seigneur,
bénis cet homme avec son équipe. Je dis ça. Qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Qu'est-ce qui n'est pas ici? Parce que je sentis la présence de Dieu en ces lieux. Je sentis la puissance du Saint-Esprit en ces lieux. Je vis comment vous adorez. Ça, c'est la deuxième église de la SEPCO que j'ai vue où les personnes adorent Dieu comme il doit, comme il se doit. J'ai été en Gili 12 chez le professeur Nkwim. Je vis comment ces jeunes gens adoraient le Seigneur. Je suis venu ici. Je sentis. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous communique sa puissance, j'ai vu des personnalités s'agenouiller et comprendre que n'y a que lui qui doit être élevé. J'ai vu des mamans ici pleurer, chanter pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur est dans cette maison. Alléluia. N'allez pas ailleurs. Restez ici. C'est question d'être branché. Soyez sanctifiés. Fuyez les péchés. Fuyez l'impudicité. Ne perdez pas votre temps. Allez chercher des téléphones. Téléphone Ekokweya, Ekokufa. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Restez ici où l'on vous parle de vérité. N'allez pas là où on vous promet toujours des bénédictions. Bien-aimés, notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Amelanja kabola muna na masumute. Yo bongola le moté maté et puis on vous dit soyez bénis. C'est faux, c'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est la sanctification, sous la sainteté, c'est la crainte de Dieu, devenir comme lui. J'aime ce passage. Comme il est dans les cieux, tel que nous sommes sur la terre. En d'autres termes, nous devons nous identifier à notre Seigneur Jésus. Au mot sanctifie la tête, sanctifie le tronc et sanctifie les membres inférieurs. Alléluia. Alléluia. Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute puissance, tu nous as appelés ce matin, Seigneur, pour venir suivre ta parole. Ta parole sainte, ta parole est cette semence, Seigneur, qui fait croître notre foi. Oh, nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien, de ton aide. Que ton esprit, Seigneur, nous guide. Que ton esprit nous oriente, Seigneur. Oh, nous voulons vivre, Seigneur, la splendeur de ta gloire, comme à l'époque de Moïse. La Bible me dit, quand Moïse invoquait la présence de Dieu, oh, les tentes ou la tente d'assignation se remplissait de la gloire du ciel. Et quand le temple se remplissait, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance. Remplis-nous ce matin, Seigneur. Tondi sabison sambe nanguya wana. Tolingi komuna, Seigneur Dieu de gloire. Banana yoko simbama nanguya na yo. Na kombo na Yesu Christo. Banso tolobi. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il mérite l'acclamation. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être élevé. Il n'y a que lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pouvons-nous asseoir. Merci Jésus. Sans plus tarder, nous invitons Maman Martine Mundala de passer pour les témoignages. Maman Martine, vous êtes là? Lingomba Motelabiso. Nalinga tatola oyo nzamba salela kinga ezalaki lendi oyo mbule betaki chaque fois soki nazo kende na yebisaka nzambe nde omoni baninga nyoso zaki na bango na mosala bakendeki ngai soki nazo kende ngonga oyo pona ndima kosalela yo siko lendi mbule betaki transport ezaki pasi na komi na magasin transport a pompage ba matisi 1000 francs ba chauffeur bazolo ba lelo bokomona na makansiye yelinga otozo kende 21h na kubana ko matakuna nana otamie nazonga nanga nakene kolala na kitambo bien na bandala makansi musuwe yelinga nakene kote musu sta unake na moni mutu kwa ya personnel batu bazomata
Na dirige ya kena ndeko mususu ti kuna akendeki yango na tonda kinzambe. Aleluya. Yami bale ezala kipona lendi. Tozana lisanga moko. Bandeko tozana lisanga wana bazalaka. Soki bazwi mbongo. Bako zwa mbongo wana bako komisa na moto oye aza responsable te. Okomona basaleli yango. Ngana komba takabango. Siko otokomi lendi. Natali nazana facture ya Snell, nazana facture ya régie, mbongo ya cotisation ya mariage pe na pesite na sala nini. Loko nazui 10 000 oyo, ngape lelo nazo sala ndenge baninga basala. Alléluia. Nazui pe mbongo wana. Tangu nazua ki na FC Nzambe limbisanga nazana situation yango nazui. Na yepe awa. Na ya awa mote ya tei sur le butin d'Akan. Tangu na yoi ka message wana ngalobi Nzambe Bongo oyo nako simba ngo lisusu te na zo zongisa kino na responsable. Alléluia. Na tongo pe mardi na kei na pesi pe mbongo wana pa responsable. Responsable azu lisusu mbongo wana azongiselinga yango na eko tonda Nzambe. Merci, merci. L'honnêteté. Nous devons vivre dans l'honnêteté. Wana penza siko soki adore Nzambe, Nzambe oyoka. Papa Joseph Muteba est venu aussi témoigner. L'honnêteté doit nous caractériser. Alléluia. Nzambe na oya sali na bomo inangai na limo ko ya itonga na sambe la kawa na yakaba pa priere ya mercredi na yakaba priere ya mercredi awa na itonga epa ya pasteur Ndunganelo. Alors nazaki na probleme mwana na ngai aza na 15 ans. A grossa qui est un jeune garçon, moko alors. Kose soane kenda qui est vendu na ba trompe. A banaye ko souffrir ma kasi na ye na ye bisi papa, problème na papa. Problème na li na ngwa mwana, ça ne va pas. Il fallait ba sala opération. Ce qui est munene, soit na ko perdre mwana. Papa lobi na ngate. To ko pesa nyoso na boko Nzambe kende pa ya ba intercesseur. Na ba intercesseuse kende ba manda ko bondela akenda ki te bana iko chama na ba bondeli nazo ya chaque mercredi tozo bondela ye nazo ya tozo bondela ye nzamba iko sala ke zemwane zaki na ba trompe ezongi na place ti leloyo mwana aboti malamu. Mwana kokisi inane 3 mois yangwana na yotonda munene ya Nzambe. Alléluia, il est merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Alléluia, alléluia. Alléluia. Toko sambela sikawa. Levons-nous. Nous allons prendre un moment d'intercession. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.
C'est Dieu qui nous a parlé. Il voudrait que nos oreilles soient sanctifiées. Chacun va prier. Mutuna mutako bondela. Sika wako pesa nzambe. Bomoy. Nako lingate utala kamuninga. Linga na tongo na lelo. Okutana na nzambe wana. Obonza bomoto na yo. Oko makapable yako yoka ka nzambe. Mpe oko minika kabatu na se. Mpe oko ma intermediere ko yoka ka na se. Pona ko pesa ka. Par rapport e pa ina nzambe. Bien-aimés, nous avons besoin yako yoka pasi oyo batu bazali ko lela kati na mabota pe ko yebisaka yango nzambe. Nzambe a développé litoyi na yo. Loba Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Liboso tozo pesa nzambe merci pour ite azali nzambe oyo alobeli biso na tongo oyo. Come on, to bonde libiso banso. Bonde la. Prie, adore Dieu parce qu'il a permis que nous puissions partager sa parole. Seigneur, liloba na yo nde kangolaka esikolaka. Yo lingina bana ko adore yo, Seigneur, natitude ya sainteté. Natitude ya consécration. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Liloba na yo nde bomo. Liloba na yo nde nkona ezali ko kolisa. Bomo to na biso. Kondi manabiso, lilo banayo nzambe, ndebile inabiso, oui zaliko faire croître, bomo inabiso ki bo glisse. Lilo banayo nde, yango izako kango la biso. Oh Seigneur, je te bénis Seigneur. Oui maintenant, consacre ta vie, pendant que le chante, vont nous amener dans l'adoration. Les chanteurs vont commencer à chanter. Yosiko yozo bana ko consacrer bon moyen ayo lo banzambe na mikabi. Mikaba e pa ina nzambe. O sala pona ye. Misu na yo, matoi na yo, motema na yo. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. L'univers t'appartient Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Mes pensées, car tu as dit, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Je te donne ma vie, Seigneur. Bon de la déco. Mais ça va mon inayo. Ma toi inayo. Et yo kaka bobeleye. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, reçois-moi, reçois mon frère, reçois ma soeur qui est là ce matin. Oh Seigneur, nous voici devant ton trône, oh Dieu. Nous nous dépouillons sur toi, Jésus. Oh Jésus, mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, allons, merci Jésus.
Merci. Maintenant, nous allons prier comme Moïse. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand Moïse priait, tant d'assignations, ils allaient qu'autant dans la gloire. Milling, ils allaient qu'autant dans la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Pendant que le groupe d'adoration, je mets en adoration. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, n'a pas étude nangai. Bon ministère nangai. Bonne là. Kembo ensemble. Et mon ana, la carte n'a pas moi. Prions les Seigneurs. Jésus, élevons Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi, mon sous-souté, Seigneur. Il n'y a que toi, oh Yassimi Bomoinanga. Il n'y a que toi, Seigneur, oh Yatalaka Bomoinanga. Il n'y a que toi, Seigneur, oh Yatangola Kapapambola Kanga. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour le splendeur de ta gloire en ces lieux. Alléluia.
Seigneur. Gloire au Seigneur, il est là. Il est là. Il est en train de nous visiter. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de toucher le cœur disposé. Il est là en train de nous toucher. Il est là en train de nous visiter. Oh, le Kumweza Yon Kembo Yayo Yesu. Menezalokola Yo Yesu. Totika Gibanda Kunabisoto Yewa. Pouette Yosala élevé. Pouette Yosala élevé. Notre Dieu. Merci Seigneur. 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 Attitude à prière. Misuna yo kokanga. Lobasiko Seigneur. Simbanga na loboko, je vais marcher avec toi. Seigneur, simbanga na loboko na lingina tambola na yo. Na lingina tambola Seigneur, selon orientation na yo. Je vais être Seigneur sous ta direction. Simba loboko na ngai Yahweh. Kambagai. Bana ko tambola na ngai. Tambui sangai. Na sala kanyonso. Nasena kuleti ya Saint-Esprit. Oh, demande à ce Dieu-là de t'accompagner dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu réalises. Seigneur, marche avec moi. Demande l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Que cet ange gardien t'accompagne dans tout ce que tu fais. Saint-Esprit, attends-moi là-haut.